Alors, je voulais vous demander, là, on est en pleine période de Noël, c'est qui la star aujourd'hui? C'est Mickey ou c'est le Père Noël? Ça, c'est vraiment poser des questions difficiles. Hein. La star, ça reste Mickey. Hein. Surtout que Mickey, il se déguise en Père Noël. Donc là, c'est le must, en fait. Mais Père Noël, en fait. Bah, regarde, il y a même Goofy qui a la barbe. Ça reste Mickey, j'imagine, les personnages et tout c'est ça. C'est la première fois que vous venez à la période de Noël? Non, non, je suis venu souvent. Et là, vous êtes venu avec vos enfants? Je viens à chaque fois avec mes enfants. Bonjour. Alors, on est en pleine période de Noël à Disney. Qui est la star aujourd'hui, finalement? C'est Père Noël ou c'est Mickey? Oh, c'est la fête, la star. C'est la grande fête. La star, c'est les sabris, c'est le jour, c'est la fête. C'est ce qu'on a dans la star, c'est mélangé. Ça peut pas être une seule chose. Regardez les gens, là, c'est un mélange, c'est le doux mélange. Fabrice, bonjour. Bonjour. Alors là, c'est la période de Noël à Disney. C'est qui finalement la star? C'est Mickey ou c'est le Père Noël? Ah, c'est quand même le Père Noël, hein. Désolé, mais ma fille a 6 ans, donc elle est très très Père Noël encore. Mais je crois que l'association des deux est magnifique lorsqu'on a la chance d'avoir des enfants. Venir à Walt Disney pour fêter Noël, c'est la situation idéale. Daniel Moreau, bonjour. Bonjour Tristan. Alors toujours là aux grands événements de Disney. Hein. En fait, ils ont construit Disney autour de moi, donc c'est normal. Hein, j'étais Alors là, on est en pleine période de Noël. Finalement, c'est qui la star? C'est le Père Noël ou c'est Mickey? Ah, là, je crois que quand même Mickey cède un petit peu la place au Père Noël. Franchement, c'est un emploi temporaire, le Père Noël. Donc déjà, on va lui laisser quand même la vedette, non? C'est vrai que c'est un CDD en la matière. C'est un petit emploi jeune. Un emploi précaire. Un emploi jeune, sauf que c'est tenu par un vieux. Donc bon, un emploi vieux, voilà, le premier emploi vieux. Battons-nous pour les emplois vieux. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors, tu es à Disney pour Noël. Oui. Il y a une petite question que je voudrais te poser. C'est qui la star? C'est qui la star aujourd'hui? C'est Mickey ou c'est le Père Noël? C'est la Belle. C'est la Belle parce qu'on va voir en avant-première le film Il était une fois avec la Belle. Alors moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'imagine assez bien en méchante, en divin, Suzanne Sarandon. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. C'est la fête, super content d'être là. Il paraît que c'est très, très humoristique comme film, donc on va aller voir ça. Voilà, donc je suis désolée, mais là il faut que j'y aille. Hein, donc, voilà. Valérie, bonjour. Bonjour Tristan. Alors tu es là pour le Noël de Disney. Oui. J'ai une question de fond pour toi. C'est qui le héros aujourd'hui? C'est Mickey ou c'est le Père Noël? Ah! Ils sont en rouge tous les deux, non? Mauvaise réponse. Non, le Père Noël. Le Père Noël chez Disney. C'est mieux ça, non? C'est pas mal. C'est pas mal. Tu m'en sors. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu es à Disneyland pour le Noël de Disney. Qui est la star finalement? C'est Mickey ou c'est le Père Noël? C'est une bonne question. Le seul endroit au monde où le Père Noël n'est pas une ordure, c'est à Disneyland. Et donc je pense que en cette période où la neige n'est pas encore tombée, effectivement, la vedette, c'est indéniablement le Père Noël. Sandrine, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est un peu le Noël à Disney. J'ai mes enfants qui font les imbéciles derrière, pardon, oui. Je voulais savoir qui est la star finalement aujourd'hui, c'est Mickey ou c'est le Père Noël? Non, je crois que c'est Mickey aujourd'hui. Et Mickey dans une ambiance de Noël. Mais c'est Mickey, on vient chez Disney, c'est super si y a le Père Noël, mais on vient chez Disney pour Disney. Alors Pef, bonjour, vous êtes ici à Disneyland pour Noël. Qui est finalement la vraie star aujourd'hui? C'est Mickey ou c'est le Père Noël? Ah, mais je vais les blesser alors. Ils sont très susceptibles, mais ils vont s'en remettre. Non, j'ai l'impression qu'il y a plein de stars dans Disney. Il y a Mickey, j'ai vu Pluto qui se faisait courser par des petits-enfants. Non, j'ai vu beaucoup de stars là. Donc, je suis désolée pour le Père Noël, mais... Alors, je voulais savoir, c'est Noël, c'est ancien à Disneyland, qui est la star finalement? C'est le Père Noël ou c'est Mickey? Ici? C'est Mickey, ici. Mickey, Minnie et tous les potes. Même en pleine période de Noël? Ah ouais, je trouve, mais c'est Mickey à Noël. C'est peut-être la parade de Noël et tout ça, mais c'est les personnages de Disney, ouais. C'est le Mickey en Noël? Tu l'as pas vu, Mickey Noël? Non. J'ai pas vu Mickey Noël, parce que nous on a vu Minnie qui était habillée toute comme la Mère Noël, carrément. Cette petite chippie, elle a piqué le costume de la Mère Noël. Elle était habillée toute en rouge, comme ça, avec des bandes blanches en fourrure. Tu vois, donc moi je me dis que c'est un mix entre Mickey et le Père Noël, quoi. C'est Mickey Noël. Alors, Kate, bonjour. Déjà, vous venez de voir Il était une fois. C'est vachement bien. Ouais, c'est super marrant.
Et alors en dehors de ça, les questions qui nous intéressent le plus, c'est de savoir là à Disney c'est Noël. Finalement, il y a une question de fond. C'est qui le héros? C'est Mickey ou c'est le Père Noël? Voilà, c'est même plus qu'une question de fond là. C'est un vrai dilemme là. C'est sujet à polémique là carrément. Moi je dirais c'est les deux. Allez, les deux. Égalité? Bah ouais, je peux pas. Je sais qu'on est plutôt là chez Monsieur Mickey, mais moi je trouve que les deux ça fonctionne, non? Pour Disneyland, joyeux Noël pour vos 15 ans. Joyeux Noël Disney pour vos 15 ans. Joyeux Noël Disneyland, le 15e anniversaire, ça se fête. Joyeux Noël Disney pour vos 15 ans, et vous ne les fêtes pas. Happy Christmas for the 15th anniversary in Disney, and just behind me, look at me, at the beginning of the year 2008, the Tower of Terror, just like in Orlando. Wonderful, ciao. Joyeux Noël Disneyland pour vos 15 ans, joyeux Noël. Bon anniversaire pour les 15 ans de Disneyland, parce que c'est la question qu'elle allait me poser, mais je peux te dire que je le sais, parce que je viens là tous les ans. Je les ai comptés, un à un, et je peux te dire que cette année, Disneyland a 15 ans. Alors, quelque chose à ajouter? J'ai rien à dire. Je m'écrase, je vais partir. Bien. Joyeux Noël Disney pour vos 15 ans. Non. Ah si, je vais essayer. Joyeux Noël Disneyland pour vos 15 ans. Joyeux Noël Disney pour vos 15 ans. Joyeux Noël Disney pour vos 15 ans. Alors, joyeux anniversaire. À qui je dis joyeux anniversaire? À Disney, à Disneyland. Ben, à Disneyland Paris en plus. Je crois même que je suis venu, moi, j'étais peut-être dans les premiers à venir ici quand ça a ouvert. Et je suis content que ça soit encore là et que ça marche aussi bien. Alors, bon anniversaire. Voilà. Merci beaucoup. Noël. À bon entendeur, salut et joyeux Noël. Eh bien le bonjour à tous les gens du blog de Disneyland. Joyeux Noël 2007. Au revoir. Et alors j'ai cru comprendre, vous aviez déjà vu Il était une fois, le film. Qu'est-ce que vous avez préféré en deux mots dedans? Patrick Dempsey. Bonne réponse. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est un dessin animé, c'est un film qui plaît à la fois aux petits et aux grands, parce qu'il y a suffisamment de second degré pour plaire aux grands, et puis c'est assez magique pour plaire aux petits. Donc voilà, je trouve ça super. C'est la première fois que vous venez à Disney au moment de Noël, hein? Je crois que j'étais venue une fois, j'avais vu la parade. Mais je suis venue en général plutôt sur Halloween. J'aime bien Halloween. D'accord. Je suis très Halloween. Et votre personnage préféré à Disney, notre Halloween? Non. Les personnages préférés? Oh, la fée Clochette. La fée Clochette? J'adore la fée Clochette parce que quand elle regarde ses hanches au-dessus de la du miroir, je trouve que elle est jalouse, elle est humaine, elle est profondément humaine. Elle se rattrape, elle est très compliquée dans sa tête, la fée Clochette. J'adore, grand moment de ridicule dure très peu de temps. Quel est ton personnage préféré à Disney? Plutôt. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui terminent leur phrase quand ils me parlent en terminant par Plutôt. Alors j'ai l'impression d'être un petit peu Plutôt. Ça t'arrive jamais ça? Rarement. On va au resto? Oh non, on va à la pizzeria Plutôt. Moi on la finit rarement avec Plutôt. On la commence parfois. Je préfère plutôt aller là-bas, mais rarement. C'est vrai. Et moi ça se termine toujours par Plutôt. Donc je pense que quelque part les gens doivent m'identifier à Plutôt. Du coup, je pense que la star, effectivement, est mon personnage préféré. Pour moi, ma star de Disney, c'est Plutôt. À moins qu'il voit un inconvénient. Pas du tout. Alors là, franchement, c'est comme tu le sens. En tout cas, Mini, je trouve que t'as beaucoup maigri. Ça te va très bien. Non, franchement. C'est les oreilles qui me remerveillent. C'est ça, ouais. Mais heureusement, tu as les cheveux longs maintenant, ça arrange beaucoup les choses.